Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous rendons à Cologne. Cologne, le lieu où va se dérouler la compétition, donc le Call of Duty World League. Donc pour ceux... Ouais, t'as vu, la classe est partout. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, bah, vous allez tout simplement le découvrir dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo entre le reportage et le vlog. Donc j'espère que vous allez kiffer. Allez, à plus tard. Bon bah voilà, on vient d'arriver à Cologne, le voyage a été très long. Pour tout vous dire, je crois pas l'avoir indiqué plus tôt dans la vidéo. En fait, ce matin, on a raté notre train, donc une fois n'est pas coutume, ce qui nous arrive assez souvent avec PG. Donc on vient enfin d'arriver, on est vraiment épuisé. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je sais pas il est quelle heure, 19h30, on va peut-être aller poser nos bagages et après aller manger, ou aller poser nos bagages. On est logé donc au Hyatt, forcément un hôtel qui vaut le détour, avec le petit déjeuner qui est hallucinant. Le petit déjeuner, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc c'est parti pour se rendre justement dans cet hôtel. Bon et bien voilà, on vient d'arriver à Cologne. Bon et bien voilà, nous venons d'arriver devant notre hôtel, donc on est devant le Hyatt, donc un hôtel que j'apprécie particulièrement. Ça fait 2-3 fois que je viens ici, donc que ce soit pour la Gamescom ou pour les qualifs du Coach Champ de l'année dernière ou de l'année d'avant. Bref, c'est un hôtel que je kiffe parce que forcément les chambres sont magnifiques. Il faut savoir que cet hôtel accueille le Bayern quand ils sont en déplacement à Cologne, donc c'est pas n'importe quel hôtel. Le meilleur hôtel pardon, de Cologne, je suis fatiguée. Elle est très fatiguée, on a fait un voyage qui était quand même assez long. Donc on va découvrir notre petite chambre et je pense qu'on va pas faire de vieux os. Allez, c'est parti. Compagnie de Jonas. Jonas qui a un rôle très important pendant ce Call of Duty World League, tout simplement parce que tu es un caster. Donc caster, c'est tout simplement, tu es animateur, présentateur, analyste de ce qui se passe justement pendant cette compétition. Donc explique-nous, pour les personnes qui me regardent forcément, qui ne sont pas au courant de ce qu'est le monde de la compétition, explique-nous ce qu'est ce Call of Duty World League. Et bien en fait, le Call of Duty World League, c'est une toute nouvelle ligue qui a été créée et qui est en fait soutenue par Activision directement et qui est l'endroit où les meilleurs joueurs du monde et tous les compétiteurs, ou en tout cas ceux qui veulent devenir compétiteurs, peuvent exprimer leur meilleur niveau. Donc dans cette Call of Duty World League, on a deux divisions. On a la Pro Division et la Challenge Division. La Pro Division, on a toutes les équipes pro qu'on a peut-être déjà pu voir dans tes vidéos, des équipes comme Vitality, des équipes comme Illenium, Infused, etc. Qui vont s'affronter, puis ensuite... Bah écoute Jonas, je te remercie pour ton intervention avec ton œil d'experte. Je pense que tu as très bien expliqué les choses. C'est vrai que du coup, ce Call of Duty World League va permettre de créer du spectacle tout au long de l'année. Et je pense que du coup, ça va rapprocher un peu le public du monde de la compétition. Et je pense du coup que ça va créer un engouement encore plus important au niveau du Call of Duty Championship. Bah écoute, merci de ton intervention sur ma chaîne, c'est toujours un plaisir. Merci à toi et puis à plus tard. Soyons honnêtes. Qui, derrière cet écran, qui a compris ce qu'il a dit? Forcément, Jonas, c'est un expert de l'e-sport, c'est un expert de la compétition, mais entre nous, entre vous et moi,
Même moi, j'ai pas forcément très bien compris. Donc je pense qu'il vous faut un petit mode d'emploi. Donc le Call of Duty World League, pour les nuls, c'est maintenant. Je pense qu'une image est plus efficace qu'un long discours pour vous expliquer ce qu'est le Call of Duty World League. Donc il faut savoir que on peut, on va dire, trouver des similarités entre la Ligue 1 et justement le Call of Duty World League. Donc il y a une sorte de classement et les équipes s'affrontent tout au long d'une première partie de saison qui s'appelle la Pro Division Stage 1. Et du coup, à la fin de cette première partie de saison, il y a ce qu'on appelle les Stage 1 Final. Et du coup, il va y avoir soit des relégations, donc les 4 dernières équipes de la Pro Division vont affronter les 4 premières équipes de la Challenge Division. Et du coup, en cas de victoire, soit ils ont la possibilité de se maintenir, soit au contraire, ils vont être relégués. Donc voilà ce qu'il y a à comprendre. Donc forcément, il y aura une deuxième partie de saison que je serai en mesure de vous présenter donc un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, en tout cas, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, donc 3 équipes sont sur la sellette, donc les Vitality, les LDLC et les Pulse, enfin au niveau français, après il y a aussi les Giants. Et donc les équipes qui vont être confrontées à ces 4 relégables sont les Exertus, les Tempo, donc c'est des équipes anglaises, et ensuite on a les Fab, les Allemands, et les Supremacy, donc des Français qui ont la possibilité justement de monter dans le classement de la Pro Division. Ils seront opposés au Vitality. Donc je sais pas si du coup l'explication est beaucoup plus claire, mais en tout cas, je pense qu'avec l'appui de ces deux petites images, les choses devraient être un peu plus simples à comprendre. Il faut vraiment bien différencier le Call of Duty World League et le Call of Duty Championship, qui, à la différence de ce premier, c'est tout simplement, on va dire, comment je pourrais vous expliquer ça ? Bah, tout simplement comme une Coupe du Monde. Voilà, je pense que c'est vraiment clair. Donc le Call of Duty World League, c'est le championnat français, et le Code Champ, c'est la Coupe du Monde. Bon voilà, on va rentrer dans cette fabuleuse chambre. Donc c'est comme un petit peu ce que je peux vous proposer habituellement dans mes petits road trips. Toujours la traditionnelle visite de la chambre. Et je vais pas en faire des tartines comme ça a pu être le cas pour Val Thorens. Donc on est parti dans le chambre. Suffisamment spacieuse pour être tranquille, sachant qu'en plus cette fois-ci j'étais avec avec Pinguin, donc on est vraiment content d'avoir une chambre vraiment aussi confortable. Une télé super stylée, là on a une salle de bain, donc ce qui est assez particulier dans cette salle de bain, c'est que là on a une baignoire et une douche, donc non, franchement c'est assez stylé, c'est assez assez sympa d'avoir ce confort là quand on est en event. Après il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on est en event, c'est des vacances. Malheureusement, en général, on a des emplois de temps assez chargés et on ne peut pas forcément très bien profiter des installations. Et voilà, un lit confortable et de quoi travailler ici, donc ça c'est plutôt cool. Et on a une vue vraiment très très jolie. Donc attendez, on va éteindre ça. Regardez, la vue est quand même stylée. On a une vue sur le Rhin, donc c'est pas mal, avec plein de petits bars que l'on pourra peut-être visiter plutôt demain, parce que là aujourd'hui on est quand même fatigué. Donc voilà, sur ce, bah, je vais tout simplement vous laisser. Je pense que le lit qui est si confortable va m'ouvrir les bras et je vais me reposer, parce que demain il y a une très grosse journée qui m'attend, c'est-à-dire la journée limite la plus importante de ce reportage, la journée qui va être importante aussi pour les Français, pour leur relégation ou peut-être leur montée en Pro Division. A plus. We are the goblins from Hirsch, but they don't know who we are.
première journée de ce Call of Duty World League. Nous sommes devant le studio ESL et c'est vrai que lorsque l'on regarde l'extérieur, cela ne paye pas de mine. Mais croyez-moi, à l'intérieur, c'est vraiment super bien décoré. Les joueurs, ils sont vraiment dorlotés. Tout est mis à leur disposition pour que justement, ils soient dans les meilleures conditions possibles. Le premier match qui va naturellement nous intéresser, c'est le match opposant les Pulse aux Exertus. Les Pulse doivent absolument s'imposer s'ils veulent espérer rester dans la Pro Division. Les Pulse ont un début de saison assez difficile, donc je croise les doigts pour eux, je croise les doigts pour qu'ils réussissent à faire un très bon résultat. Les Pulse n'ont malheureusement rien pu faire face aux Exertus. Ces derniers étaient vraiment trop forts, aussi bien individuellement que collectivement parlant. D'ailleurs, un très très bel enchaînement à l'annihilateur à ce moment-là. Franchement, j'étais vraiment très impressionné. Après, c'est vrai que les Pulse ont vraiment manqué un petit peu d'entraînement. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une assez mauvaise cohésion d'équipe. Azox et Vesiok, je crois, étaient un petit peu les éléments moteurs de cette équipe, mais il n'y avait pas d'implication des autres membres de l'équipe, donc c'est un petit peu dommage, et à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Donc déçu pour Azox, et j'espère qu'il va pouvoir rebondir. D'ailleurs, ce dernier va m'accorder quelques mots à la fin du match. C'est vrai qu'il était très déçu, et je le remercie d'avoir pris le temps de me lâcher quelques petits mots, parce que c'est ça qui rend, on va dire, ce genre de vidéo très intéressante. Et je pense que malgré la défaite, il a gardé ce petit côté professionnel que j'apprécie beaucoup chez lui. Et en tout cas, je lui souhaite bonne chance pour l'avenir. Je suis avec Azox, donc joueur des Pulse. Peux-tu nous parler donc de ce match contre les Anglais ? C'était assez difficile. Alors oui, c'est un match assez compliqué. On n'était pas les favoris, puisque bon, avec notre saison en Ligue, c'était pas évident. On joue très peu en équipe, on s'est très peu entraîné, on jouait vraiment pas bien en termes d'équipe. Donc voilà, on s'est dit qu'on voulait tenter un petit hold-up, que si on arrivait à péter nos duels et gagner, enfin voilà, les tuer tout simplement sur la map, on pouvait faire un petit hold-up. Clairement, vous n'avez pas été ridicule. Vous avez perdu deux premières maps, vous avez gagné la troisième. Sur la quatrième, ça aurait pu le faire. Moi, je trouve que vous n'avez pas vraiment été très ridicule. Cette saison pour toi, elle n'a pas été vraiment très facile. Tu peux nous parler un peu, tu parlais tout à l'heure de hold-up. Pourquoi tu parlais de hold-up ? La saison n'était pas... Parle-nous un peu de cette saison. On a très mal commencé la saison. Au final, on n'a pas gagné un match de toute la saison, donc c'est mal aussi terminé. Mais très rapidement, on a essayé de faire des changements. On a changé Agony. Ensuite, ça ne marchait pas toujours. On ne jouait pas en équipe, on ne jouait pas ensemble, on ne s'écoutait pas. Donc c'est très éprouvant pour tout le monde. Hein. Donc on a essayé de changer plusieurs fois de compo avec notre sub, donc le remplaçant. On a essayé presque toutes les compos possibles. Hein. On a essayé de changer des postes, mais voilà, rien ne fonctionnait. Parfois, les rosters ne fonctionnent pas tout simplement, et là, c'était le cas. Quel est l'avenir pour Azox et pour les Pulse ? Alors, l'avenir pour Pulse, c'est la Challenger Division, donc probablement avec une nouvelle équipe. Je pense je me fais pas trop de soucis pour les Pulse, qu'importe l'équipe, que j'y sois ou pas. Je pense qu'ils vont se reformer et ils vont revenir encore plus fort parce que c'est loin d'être fini. Il y a encore les qualifs pour la saison d'après et pour le coach champ. Moi, de mon côté, j'arrive un peu en fin de carrière parce que je suis quand même âgé, comme beaucoup de joueurs qui ont commencé en même temps que moi. Je ne sais pas trop encore ce qui va se passer pour moi, si je continue ou pas. Je pense qu'il faut que je trouve une équipe qui me corresponde, qui me convienne, à qui j'ai envie de jouer. Donc, ça ne va pas être facile à trouver, mais on verra. Écoute, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'interviewer, Azox, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci à toi. Autre équipe française qui jouait son maintien dans la Pro Division, ce sont les LDLC. Ils étaient opposés au Tempo et c'est vrai qu'après, on va dire, une prédiction très optimiste, ils prévoyaient un 4-0, ils ont dû arracher leur maintien au bout de la... Enfin, ils ont fait un 4-3. Donc ça a été un match très 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 serré, un match très intense, très agréable à regarder. En tout cas, bah, je leur souhaite bon courage et bonne chance pour la fin de la saison. Après ce match des LDLC, nous allons nous intéresser au match le plus important de cette journée. Ce match oppose deux équipes françaises, les Supremacy qui viennent de la Challenge Division et les Vitality qui viennent de la Pro Division. Donc voilà, c'est un match avec un très très gros enjeu. Donc je suis très curieux de connaître l'issue de ce match. Alors ce match, pour avoir été présent, je peux vous dire que l'atmosphère était vraiment très lourde. Les deux équipes étaient très concentrées, les deux équipes étaient vraiment sous pression. Et clairement, dans un premier temps, les Vitality avaient vraiment le dessus. Ils ont pris les deux premières maps au Supremacy. Mais ensuite, les Supremacy ont su relever la tête et ont pris les deux maps suivantes. Donc on était à deux maps chacun. Et il y a eu un problème pendant une RD. Un problème qui a clairement pesé sur le match, qui a clairement, on va dire, rendu l'atmosphère encore plus délicate. À un moment donné, Mauls était sur le point d'envoyer sa HCXD et cette dernière s'est totalement incrustée dans le mur et ce dernier n'a pas pu l'envoyer. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, les joueurs ont voulu stopper, enfin les joueurs des Supremacy ont voulu stopper la rencontre parce qu'ils ne voulaient pas perdre la manche décisive qui leur aurait fait tout simplement perdre l'ARD. Mais du coup ça a créé un temps mort qui était vraiment très ennuyant pour les viewers. Donc la question se pose, faut-il en cas de bug du jeu continuer la rencontre ou au contraire faut-il stopper et comment dire, recréer les conditions d'avant bug. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'interrogations à ce sujet. On en a parlé un petit peu avec toute la délégation Activision. Et c'est vrai que les avis étaient très différents. Donc en tout cas, après ce bug, on va dire que l'atmosphère, comme je vous l'ai dit, était encore plus pesante. Les deux équipes étaient toutes les deux frustrées parce que les Vitality considéraient que bah, le match devait continuer et ils avaient de très grandes chances de remporter cette manche tout simplement parce qu'ils avaient, je crois, deux ou trois spécialistes d'activer chez les Vitality plus de deux HCXD, je crois. Et c'est vrai que sur le papier, ils avaient de plus grandes chances de s'imposer que les Supremacy. Mais voilà, c'est vrai que ça pose quand même cette question-là. Il y a eu un battement d'une heure pour recréer ces conditions. Et donc il faut se demander, est-ce que, parce que l'objectif de ce Call of Duty World League, c'est de promouvoir l'e-sport dans sa globalité. D'ailleurs, le but de cette vidéo, c'est aussi ça. Je sais très bien, je suis pas idiot, je sais très bien que la plupart des personnes qui vont regarder ces vidéos sont des personnes qui ne jouent pas ou ne s'intéressent pas à la compétition, ou du moins très peu. Et donc forcément cette vidéo a pour but de vous faire découvrir cette compétition, découvrir ce monde qu'est l'e-sport, qui on va dire permet énormément d'apprendre sur le jeu. Même si je ne fais pas de compétition, je vous avoue que j'ai découvert pas mal de spots, pas mal de passages qui sont vraiment très intéressants à utiliser, même lorsque l'on ne joue pas dans ces fameux modes à objectifs ou bref. Vous pouvez apprendre beaucoup de ces joueurs, ils ont un niveau extraordinaire. Bien entendu, ils ont un niveau bien au-dessus que de la plupart des youtubeurs que vous pouvez regarder, à part des mecs comme Gotha qui sont eux-mêmes joueurs e-sport. Bref, en tout cas, cette confrontation s'est soldée par la victoire des Vitality, qui ont d'ailleurs plus tôt dans la saison eu une première déconvenue avant celle-ci. Et je pense que c'est aussi ça qui explique leur grosse frustration. Pendant ce match contre les Supremacy. En tout cas, bravo à eux et j'espère que la fin de cette saison sera, on va dire, plus avantageuse et surtout plus chanceuse, on va dire.
Je suis en compagnie de Ripley, donc joueur des Supremacy. Je n'ai pas voulu être lourd après le fameux match un petit peu problématique qui s'est soldé par une défaite face au Vitality. Donc j'ai pas voulu être lourd à prendre vos impressions à la fin du match. Mais du coup on se fait un petit duplex sur Skype justement afin d'avoir un petit peu ton retour par rapport à ce match. Comment vous l'appréhendiez, comment il s'est passé dans vos têtes, et surtout revenir un petit peu sur le souci qu'il y a eu pendant justement ce match. Ouais, bah salut à tous, hein, salut Karim. Donc voilà, donc on a perdu, comme tout le monde le sait, sûrement 4-3 contre Team Vitality. Donc un match assez serré pour nous, pour eux d'ailleurs, hein, pour eux aussi, ça a été un match serré des deux côtés, je pense. Forcément, sur ce match, il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, beaucoup d'atmosphère un peu pesante, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur n'importe où en fait. Et donc, voilà, comme tu le sais, bah, on a perdu, on est forcément très très déçus. Hein, je vais pas te le cacher, on est assez assez triste, mais bon, c'est le jeu, en tout cas moi je l'accepte, ça fait partie du délire, hein. il y a des vainqueurs, donc c'est ça, voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport au souci qu'il y a eu, qui a du coup mobilisé les techniciens pendant une heure, et on va dire qui a un peu perturbé le stream par rapport au bug de la HCXD? Oui, tout à fait. Ben, moi, en fait, j'étais tout à fait dans l'action où mon coéquipier a mis sa petite voiture RCXD. Donc, en fait, il faut savoir que sur la map Hunted, donc il y a un petit mur au niveau du balcon, bien connu d'ailleurs des snipers les plus campeurs d'entre nous sur ce jeu, sur Hunted. Et donc, en fait, ouais, la voiture RCXD s'est totalement bloquée. En fait, elle est rentrée dedans. On sait pas comment. J'ai réessayé de le faire de mon côté tout à l'heure. J'ai pas réussi. Donc, elle est restée bloquée, donc sur ce petit balcon dans un mur. Ce qui fait que nous, de notre côté, bah, vu qu'il y avait personne de mort de chaque côté, donc que ce soit chez nous ou chez Team Vitality, nous voilà, on a dit bah on n'allait pas rester bloqué, on n'allait pas, on va dire, perdre une manche à cause d'un bug où concrètement mon coéquipier était bloqué, il pouvait pas faire l'action qu'il désirait, il était tout simplement hors d'usage, son gameplay était hors d'usage. Donc voilà, nous de notre côté on a commencé un petit peu à crier au scandale, bah comme quoi on avait un bug, etc. Et donc ouais, forcément à partir de là il y a eu pas mal d'embrouilles, si je puis dire. Oui, c'était des petites disputes, on va dire, entre nous, entre les admins, entre les joueurs Vitality, etc., pour bah, comprendre un peu ce qui se passait, et surtout bah, qui avait raison, qui avait tort. Et donc oui, suite à ça, il y a eu quasiment une heure, hein, une heure d'attente entre le bug et le retour du match. Et donc nous, en tout cas, côté joueurs, c'était ultra long. Hein. Je te cache pas qu'on n'en pouvait plus. Et puis toi, par exemple, en tant que spectateur, tu devais être là, ça devait être saoulé, en fait. Ça devait être horrible. C'était donc, très très long, et c'est vrai que du coup la journée a fini très très tard. Je crois que ça a fini dans les coups de 1h, je crois. Ouais, quasiment minuit et demi, 1h. Ouais. Donc voilà. Bon, alors les organisateurs ont décidé du coup de reproduire exactement les mêmes conditions. La même situation, ouais. Selon toi, c'était la chose à faire, ou plutôt, comme on dit assez souvent, le show doit continuer? Selon toi, quelle était la meilleure solution? C'est vrai qu'il y a deux points de vue. On peut comprendre d'un côté que, par exemple, d'un côté, bah, pour nous, joueurs de Supremacy, c'était clairement pas viable, étant donné que, bah, on était, on va dire, si on continue à jouer dans cette situation, on était 3 et Vitality était 4, alors que techniquement, Maul c'était pas mort, on va dire, par un joueur d'en face. Donc ça aurait été un désavantage pour nous qui n'aurait pas été mérité. Mais aussi, d'un autre côté, on peut se dire que la game aurait dû continuer normalement, étant donné que, bah, la Call of Duty World League c'est un show. On était là-bas pour produire un jeu, un gameplay, et que bon bah faute à pas de chance, les gens diront qui appuieront cette décision, enfin ce point de vue. Donc voilà, ça dépend des points de vue. Hein. Moi je suis forcément plutôt du côté de on doit reprendre où on en était avec les mêmes avantages, c'est-à-dire les mêmes spécialistes, les mêmes killstreaks. Par exemple, côté Vitality, je crois qu'on avait 2 RCXD et 3 spécialistes. Donc voilà, on les a refait d'ailleurs. Les amis ont rapidement compris en tout cas que c'était la meilleure chose à faire de leur point de vue, de refaire toute la même situation exactement à la RCXD près. Mais après voilà, je comprends que d'un côté il y a des gens qui peuvent dire c'est pas normal d'attendre une heure, c'est clairement pas normal, hein. je suis le premier à le dire. C'était beaucoup trop long. Ouais. Bah écoute, en tout cas je te remercie pour tes retours, ça fait vraiment plaisir. Je pense que les gens vont apprécier justement avoir le retour d'un joueur, parce que c'est vrai que dans ce reportage j'ai assez peu d'interviews de joueurs, mais bon, je pense que je me rattraperai pour la prochaine fois. En tout cas je te remercie, puis, merci à toi. Bonne continuation. Merci pour les Supremacy. Merci beaucoup.
2 de ce Call of Duty World League, et aujourd'hui les équipes qui vont s'affronter sont pas forcément des équipes qui vont vraiment nous intéresser, nous, en tant que Français. Effectivement, les équipes qui vont s'affronter, ce sont des équipes anglaises essentiellement, donc les Splice, les Excel dans un premier temps, et ensuite il va y avoir un autre match, les Epsilon face au TCM. Donc les Epsilon forcément partent favoris, mais bon, une surprise est toujours possible. Donc pour le jour numéro 2, deux matchs se sont déroulés. Donc les Splice ont fait un 4-3 face aux Excel. Et les Epsilon ont fait un 4-1 face aux TCM. J'imaginais un match un peu plus disputé en ce qui concernait les Epsilon et les TCM. Mais clairement les Epsilon ont vraiment fait qu'une bouchée des TCM. Et du coup ils se qualifient donc, pour la journée de demain, la journée de demain qui du coup on verra entrer la team Infuse et les Millennium. Donc ça promet de très très beaux matchs et en tout cas je pense qu'on va vraiment se régaler.
tu penses que tes trois derniers goals, c'est moi qui les mets. C'est ça. Deux fois. Non. La vidéo. Alors pour cette dernière journée, il y avait donc la demi-finale qui opposait les Infuse aux Splice. Donc les Splice se sont imposés 4-3. Et ensuite, deuxième demi-finale, c'était les Millennium face aux Epsilon. Les Millennium ont vraiment laissé aucune chance aux Epsilon. Ils se sont imposés 4-0. Donc la finale opposait Millennium aux Splice. Et les Millennium ont vraiment été impériales avec un 4-1. Bref, un très beau match. Cette finale, j'ai vraiment vraiment kiffé voir les Millennium jouer. Ils étaient vraiment pendant cette compétition au-dessus de toutes les équipes. Et franchement, j'étais vraiment très impressionné de Tomé dans la dernière RD qui a vraiment vraiment fait un très beau match. Encore une fois, je le redis, on a vraiment pas le niveau de ces joueurs. Ces mecs là s'entraînent vraiment comme des malades, mais je peux vous le garantir, même si vous n'aimez pas forcément la compétition, même si vous ne souhaitez pas faire de la compétition, croyez-moi, mine de rien, on apprend beaucoup en regardant ces joueurs jouer. Ils ont une manière de se déplacer, ils ont une manière de jouer qui peut vraiment nous aider, même nous en tant que joueurs lambda sur le multi. Bref, c'est un plaisir de voir jouer ces joueurs. Et clairement, si vous avez la possibilité, par exemple, de vous rendre à l'ESWC qui aura lieu au Zénith, je ne sais plus exactement quand, mais je vous en reparlerai peut-être. Regardez, la petite move de Tomé, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Regardez, il est sur le mur et il voit qu'il y en a un qui est allongé. Bref, il arrive à faire des frags. Ce mec m'a impressionné, en tout cas sur cette game-là, il m'a vraiment impressionné. Et je pense d'ailleurs que s'il remporte cette RD, c'est vraiment en grande partie grâce à lui. Bref, il a fait un match, vraiment un match extraordinaire. Bref, en tout cas, cette compétition, c'est vraiment, selon moi, une très bonne chose pour l'e-sport. Ça permet, on va dire, de garder les joueurs en haleine tout au long de l'année. Les viewers, eux, ont du spectacle aussi tout au long de l'année. Et donc, ça permet, on va dire, de créer, je pense, un engouement certain pour du coup le coach champ qui lui va opposer, enfin qui lui, comme je vous l'ai dit en début de ce reportage, sera un peu la coupe du monde de Call of Duty. Bref, du très beau spectacle. Si vous n'avez pas pu voir tous ces matchs, ils sont en rediffusion sur la chaîne Call of Duty. Après, ce sera en anglais, donc malheureusement, vous ne comprendrez pas tout. Mais voilà, en tout cas, du très beau jeu. J'ai vraiment pris un grand plaisir à être à Cologne pour assister à ce stage 1, à ce stage Wayne. Bon, vous connaissez mon anglais qui est plus qu'aléatoire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Il y a certainement des erreurs, j'ai certainement omis de dire des choses, j'ai certainement, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert cette compétition en même temps que vous. Le coach champ, ça fait plusieurs années que j'y vais, donc je connais un petit peu la façon dont se déroule la compétition. Cette compétition-là, pour moi, c'était vraiment l'inconnu total. Donc j'ai vraiment appris à la découvrir en même temps que vous. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde!